Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe de C'est à vous, à l'exception de Mohamed, qu'on retrouvera demain. Salut à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Émilie, votre choix de l'actu du jour. Lundi prochain s'ouvre le procès de Nordal Lelandais pour le meurtre de Maïlys. 8 ans et demi, c'était en 2017. Sa maman, Jennifer de Harojo, y sera à ce procès pour faire face à celui qui a avoué avoir tué sa fille. Elle est notre invitée ce soir. Elle témoigne ce soir à l'occasion de la publication de son récit jeudi aux éditions Robert Laffont. Patrick, votre édito ce Comment soir. Vont les Français? Bof, bof. En qui ont-ils confiance? Pas en grand monde et pas vraiment dans leurs responsables politiques. C'est notre dernière enquête du CEVIPOF. Ça tombe bien, on a un responsable politique sur le plateau. Christian Estrosi, maire de Nice, soutien d'Emmanuel Macron et membre du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Il répondra à nos questions ce soir. Merci de votre présence. Bonsoir. Mathieu, dans le 5 sur 5. Un sujet qui est extrêmement difficile, mais qui concerne énormément de familles. On va parler des EHPAD à travers cette enquête. Les Fossoyeurs, qui paraît demain chez Fayard, travail d'enquête du journaliste Victor Castanet autour du groupe Orpea, leader mondial des EHPAD. C'est dans le 5 sur 5. Victor Castanet est notre invité également. Pierre, dans votre œil. Gilles Grangier, il a tourné 12 films avec Gabin. Il en a écrit 15 avec Michel Audiard. La nouvelle vague l'avait méprisé. Le voici réhabilité et réédité, on en parle tout à l'heure. Et forcément, ça plaira à notre invitée Sandrine Kiberlin, dont le premier long métrage sort demain au cinéma. Elle est notre invitée du dîner, ainsi que David Funkinos, qui a imaginé voilà, que d'un échec pouvait sortir une réussite. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'être numéro 2 à la place du numéro 1? C'est l'objet de son roman, il dîne avec nous ce soir, dîner préparé par Camille Saint-Meleu. C'était pas très clair ma présentation du livre de David Funkinos, mais bon, on comprendra tout à l'heure. Camille, chef de la villa 9-3 à Montreuil. Bonsoir, chère Camille. Bonsoir. Vos Saint-Jacques marinés plaisaient bien à notre invité Christian Estrosi. Bah, j'en aurais une assiette de plus, il n'y a pas de problème. Donc, merci. Donc effectivement, on va vous faire juste des Saint-Jacques donc à cru dans son plus simple élément avec donc les agrumes de notre jardin et une petite gelée d'hachis, donc qui est une base de bouillon japonais. Merci voilà. Beaucoup Camille, j'aime bien l'idée des Saint-Jacques dans leur plus simple élément. Ben voilà, c'est très joliment dit. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po, vient de publier son nouveau baromètre de la confiance politique, une étude qui existe depuis 12 ans et qui montre l'ampleur de la crise démocratique à 2 mois et demi de l'élection présidentielle. Oui, le thème de toutes les questions posées chaque année par OpinionWay à un panel de 10 000 personnes, c'est la confiance. À qui ou à quoi faites-vous confiance? Eh bien, la réponse, c'est pas grand monde. La confiance ne caractérise plus l'état d'esprit que le 15% des Français, alors que le sentiment de méfiance, 37%, fait un bond par rapport au printemps dernier. Vous le voyez sur ce graphique, plus 14 points. Le sentiment dominant étant toujours à la lassitude. Méfiance majoritaire à l'égard de la politique, des partis et de ceux qui nous gouvernent, sauf les élus locaux. En gros, il n'y a qu'un petit tiers de l'opinion qui pense que les responsables politiques sont des gens compétents, sincères et qui agissent pour le bien commun. Et les trois quarts qui adhèrent à l'idée qu'ils sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs intérêts. Alors je sais, un tiers plus trois quarts, ça fait plus de 100%. Mais il y a des réponses multiples. Insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie, 57%. Mais vous voyez sur cette courbe que ce chiffre a atteint des sommets sous le quinquennat Hollande, 73%. Méfiance à l'égard des réseaux sociaux, des médias, des responsables religieux, des syndicats, des banques, de la justice. Mais confiance massive à l'égard des hôpitaux, de la science, des PME, l'armée, l'école et même la police. 72% de confiance pour la police. Ce que montre cette enquête, c'est aussi une demande d'autorité, de radicalité. Oui, on retrouve les inquiétudes culturelles et identitaires captées notamment par Éric Zemmour. Deux tiers des sondés disent ne plus se reconnaître dans les valeurs de la société française. Les trois quarts disent que notre pays a perdu sa boussole morale. Et les deux tiers encore que ce dont le pays a besoin, c'est d'une bonne dose d'autorité et d'ordre. Vous trouvez même 27% de Français en forte hausse qui verraient bien l'armée diriger le pays. Là aussi, vous voyez ce graphe qui montre une hausse de 7 points par rapport à 2020 et puis 52% des gens qui
approuve l'idée que ce soit plutôt des experts qui gouvernent plutôt qu'un gouvernement. Mais à côté de cette droitisation incontestable du pays, il y a pas mal d'indicateurs qui viennent nuancer le tableau. Par exemple, et c'est intéressant d'imaginer toutes les phrases que je vais prononcer qui ont été soumises au sondé dans la bouche des candidats, ce qu'ils pourraient dire ou pas. Par exemple, donc, 63% des sondés trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais la moitié juge que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Près des deux tiers disent que la société française est plutôt injuste. Il y a une demande de justice sociale qui s'exprime très, très fortement dans cette enquête, mais les trois quarts des sondés sont plutôt satisfaits de leur sort et de la vie qu'ils mènent. 42% estiment que la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui plutôt que de s'ouvrir. Mais ce n'est pas pour autant un repli nationaliste. Vous n'avez qu'un quart de l'opinion pour dire que l'Union européenne est une mauvaise chose. Enfin, vous avez les deux tiers des répondants qui adhèrent à la thèse du politiquement correct. On ne peut plus vraiment dire ce qu'on pense. Mais la moitié disent et pensent qu'on n'est pas allé assez loin pour défendre les droits des femmes. Vous voyez la complexité et la diversité de la France et des Français de 2022 qui s'apprêtent à voter dans 75 jours désormais. La morale de l'histoire, Christian Estrosi, qu'est-ce que vous retenez de ce chiffre-là? Une bonne dose d'autorité et d'ordre, l'armée pour diriger le pays, 27% des Français le souhaitent, c'est considérable. Oui, ça démontre qu'il y a un malaise profond dans notre pays. Sans doute la crise que nous avons connue, sanitaire, économique, l'a-t-elle amplifiée. On voit bien que personne ne sort indemne de tout cela, qu'il y a un glissement très fort des Français à droite, y compris de gens qui se sont toujours sentis à gauche et qui ne se reconnaissent pas à droite, mais qui, dans leur comportement et dans leur attitude, aujourd'hui, demandent plus d'autorité, plus de sécurité. 47%, pour le maire que je suis et qui est confronté tous les jours à des comités de quartier, je vois bien que ceux qui, il y a 10 ans, me disait « je ne veux pas de caméra de surveillance pour m'observer dans mon quartier », aujourd'hui me les réclament, que ceux qui ne voulaient pas de policiers municipaux armés, aujourd'hui les réclament, que ceux qui ne voulaient pas que nous ayons une intelligence artificielle qui nous permette de suivre des plaques minéralogiques et autres, le réclament. Donc c'est toujours plus de sécurité. On voit qu'on a un besoin de protection. Je crois que, en réalité, les Français aspirent à... D'ailleurs, je trouve que la présentation de Patrick Cohen était assez intéressante parce qu'elle soulignait les contradictions. Oui, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup d'eux en même temps. C'est ça, beaucoup d'eux en même temps. Donc on demande d'être toujours plus protégé socialement et on demande en même temps d'être toujours plus protégé en matière de sécurité. On demande en même temps d'avoir toujours plus de pouvoir d'achat, mais aussi avoir plus de garanties sur son travail, sur ses droits sociaux, sans doute pouvoir partir plus tôt à la retraite pour certains, mais en même temps conscient que si on ne travaille pas un peu plus, ses enfants seront fragilisés. Donc la réponse politique à ces contradictions, oui, ce qui pourrait être inquiétant, c'est qu'au fond, ils demandent moins de démocratie. Or, je crois que notre pays est un pays héritier tant de valeurs qui ont incarné la démocratie, qui ont porté ce modèle républicain sur tant de pays et tant de continents dans le monde, que dans le fond, les Français, ils le démontrent à chaque échéance. Avant, il y a des positions quelquefois un peu radicales. Et puis, quand il s'agit d'aller se prononcer, on cherche la valeur refuge, on cherche la valeur qui, finalement, apporte le plus de mesures. Et les hommes politiques ne doivent pas aujourd'hui s'enfermer dans cette radicalité où certains cherchent à pousser les Français à se prononcer de cette manière. Je crois que nous sommes responsables face à un pays qui souffre. Il y a un chiffre qui est très surprenant et qui n'est pas suffisamment commenté. Lorsque le gouvernement décide de donner une prime de 100 euros par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie, du carburant, etc., alors il y a ceux qui disent c'est bien d'aider et d'accompagner un peu le pouvoir d'achat dans ce moment difficile. Il y a ceux qui disent c'est une mesure électoraliste. Mais à l'arrivée, il y a un chiffre qui n'est pas suffisamment commenté. C'est qu'il y a 38 millions de Français qui sont dans cette catégorie. 38 millions, c'est énorme. C'est considérable. 38 millions de Français qui touchent moins de 2 000 euros.
Et donc, naturellement, tout ça pourrait être un ferment de soulèvement, de vindicte, de confrontation encore plus violente demain. Voilà pourquoi je crois que le débat de la campagne électorale à venir sera énormément porté, plus encore que sur la sécurité, même si dans l'instant c'est un peu sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat. Oui, parce que pour l'instant, ce sont les propositions sur la sécurité qui se multiplient. Samedi dernier à Cannes, Éric Zemmour a proposé d'introduire dans le droit français la défense excusable pour se protéger. Oui, mais... Nous voulons une police qui ne recule plus. La police ne doit plus être intimidée par la racaille. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Alors les exemples que prend Éric Zemmour sont intéressants, vous le savez vous-même, en 2018, un bijoutier niçois, Stéphane Turc, avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis après avoir battu l'un des deux hommes qui venait de... Et j'avais pris sa défense. Exactement, oui. Vous avez même tweeté à l'ouverture de son procès pour dire qu'il était temps de réformer la légitime défense. C'est ce qu'il est en train de faire, Éric Zemmour, avec la défense excusable, le droit de riposte. Mais voyez, je me rappelle qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui n'était autre que Manuel Valls, s'était rendu sur place et avait partagé mes positions. Il était pourtant socialiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, être du côté des policiers, de ceux qui sont là pour nous protéger, être du côté de ceux qui sont les victimes de violences, d'agressions sous toutes leurs formes, ça fait partie des règles démocratiques que nous sommes nombreux à partager. Donc la défense après, excusable, on peut oui. le dire de manière excessive, mais vous savez... Mais sur le fond, vous êtes d'accord avec lui. Mais je dis, dites-moi qui, dans ceux qui, à gauche, au centre ou à droite, ont eu des responsabilités ces dernières années, n'ont pas été aux côtés de leurs policiers. Qui ? Citez-moi un exemple. Il ne s'agit pas de ça, c'est un bijoutier, c'est un commerçant. Mais il s'agit de se faire justice soi-même. Oui. Mais il ne s'agit pas de faire... Vous savez dans quelles conditions et situations s'est retrouvé ce commerçant à l'époque, ce bijoutier de la rue d'Angleterre à Nice, braqué, mis en joue, en lui disant, voilà, maintenant, je vais te tuer, je vais t'abattre si tu ne me laisses pas agir. Non, mais quand quelque vous, part, quand c'est, vous disiez... c'est une réaction spontanée. Je veux que chacun se mette à la place, à ce moment-là. Naturellement, la justice doit se prononcer. Et je crois qu'elle s'est prononcée de manière très équitable, d'ailleurs. Moi, ce qui compte, c'est que dans notre pays, il y ait une justice, justement, pour trouver si la réaction est équitable ou si elle ne l'est pas. En l'occasion et en la circonstance, la justice a pris des dispositions pour que M. Turc n'ait pas de poursuite excessive et ne soit pas condamné de manière inappropriée à une prison ferme. Il n'est pas allé en prison. Si la justice est équitable, il n'y a pas besoin de réformer la légitime défense. Et vous voyez bien le signal donné s'il y a une réforme. On ne doit pas si on ouvre la légitime défense. Patrick Cohen. Pour un signal pour les citoyens de s'armer et de lutter à coups d'armes à feu contre les cambrioleurs. Comme aux États-Unis, par exemple. Patrick Cohen, nous sommes d'accord. Ah bon. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On avait compris le contraire, Christian Estrosi, dans ce que vous veniez d'exposer. Non. Non, je vous ai dit simplement qu'il faut comprendre une réaction dans l'émotion, et c'est à la justice de savoir l'apprécier, et la justice a su l'apprécier. Pour autant, jamais, au grand jamais, je ne soutiendrai la légitime défense. Par contre, que les policiers qui Donc sont Donc vous venez là sur ce que vous aviez dit à l'époque. Et qui trop souvent, sont malmenés, sont désignés comme fauteurs, sont accusés de brutalité, alors que, naturellement, il y a une fois, parmi des milliers, un comportement inapproprié. La police a besoin d'être encouragée. On ne peut pas exiger d'avoir plus de sécurité, de ne pas nous soutenir nos policiers. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque le président de la République, qui est venu à Nice, lançait le chantier... du plus grand hôtel de police mutualisé, police municipale, police nationale, à Nice, il y a quelques jours de cela. Ça, c'est une des solutions
Naturellement, rapprocher le rôle de la collectivité et le rôle de l'État dans la sécurité à garantir à nos concitoyens, c'est une grande première. Et le président, à cette occasion, s'est engagé à mettre 15 milliards d'euros de plus dans les 5 prochaines années, à la fois pour doubler le nombre de policiers sur le terrain, mais aussi en matière de cybercriminalité, qui est un sujet extrêmement sensible. Bon, nous voyons bien que en matière de fermeté et d'autorité, il y a deux manières de dire les choses. Soit avec excès, comme nous voyons le trio qui se retrouve dans la surenchère aux slogans comme ceux que M. Zemmour a prononcés, ou encore comme ceux qui prétendent sortir un outil de la cave dont je ne citerai pas le nom. Valérie Pécresse, qui risque d'être condamnée d'ailleurs. Le carcher de la cave. Ou Mme Le Pen qui propose des solutions inappropriées aussi, qui sont peut-être d'ailleurs, grâce à M. Zemmour, de plus en plus recentrées et les plus discutables. Mais voilà, nous n'avons pas besoin d'être dans l'excès. Il faut apporter de la mesure, de la nuance. La justice doit être réformée et s'adapter aux grands enjeux. Le principal enjeu en matière de délinquance aujourd'hui, il faut le dire clairement, parce qu'à chaque époque, ces enjeux, c'est devenu très clairement le trafic de drogue qui génère de plus en plus de points de deal, qui nourrit de plus en plus une économie souterraine, qui met à feu et à sang certains quartiers dans un grand nombre de villes de France. Je vois que dans ce domaine, nous avons de plus en plus de résultats dans la coopération entre la justice, la police et la gendarmerie, la collectivité. J'ai moi-même signé avec le procureur de la République un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, qui fait que nous avons fait tomber près de 31% de réseaux de trafic de drogue au cours de l'année 2021. Voilà. Donc, il faut chercher des coopérations, des partenariats. Des solutions et pas des discours excessifs. Pas de slogans, pas de gesticulations comme celle auxquelles nous avons assisté à Cannes. Pierre. Emmanuel Macron a envie d'être candidat, mais il ne l'a toujours pas officiellement annoncé. Le président de la République est en déplacement depuis 36 heures en Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, il devait d'ailleurs s'y attendre, il n'a pas pu échapper à une question qui devient presque un rituel. Du coup, ça va être ma première élection. Je vais vous présenter. Comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Si tout était réglé. Si tout avait été réglé. C'est pas le cas. Oui, mais il faut jusqu'au dernier moment. Après, j'annoncerai ma décision en temps voulu. Donc, réponse au prochain épisode. Et c'est un faux suspense qui, si je puis dire, agace votre, voisin, Éric Ciotti, député LR de votre département des Alpes-Maritimes et conseiller de Valérie Pécresse. On a un candidat qui tranquillement fait campagne avec tout l'appareil d'État mobilisé autour de lui. C'est une campagne électorale et j'appelle la Commission nationale des comptes de campagne à se saisir de ce problème. Il faudra à tout le moins que tous les moyens publics qui sont utilisés, et c'est illégal, c'est même un délit pénal, soient rattachés au compte de campagne du candidat Macron. C'est un scandale démocratique. Vous avez une réponse ou un commentaire pour Éric Ciotti ? Non, j'en ai pas. Il a saisi la commission électorale, et bien celle-ci se prononcera. Le président de la République est président jusqu'au dernier jour de son mandat. Et heureusement que notre pays est dirigé, et plutôt bien dirigé. Vous vous rendez compte ? Oser se prononcer de cette manière au moment où nous venons de dépasser aujourd'hui les 30 000 hospitalisations dans notre pays. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une crise sanitaire dont le taux d'indice de circulation du virus n'a jamais été aussi élevé. Où nous savons que les hôpitaux sont à presque saturation et où malgré tout nous réussissons à maintenir notre activité économique. La personnalité qui vient de s'exprimer incite le président à ne plus être président, à ne plus diriger les choses, à ne plus prendre de décisions, à laisser exploser notre économie et notre cohésion sociale. Au moment où les Français ont besoin de compter sur lui, vous vous rendez compte que nous sommes en train, peut-être, sans doute, de sortir de cette crise sanitaire qui a été, à mon sens, plutôt mieux gérée que dans d'autres pays de l'Union européenne, où nous avons moins confiné, avec de bonnes nouvelles sur l'économie,
avec un taux de croissance que nous n'avons pas connu depuis des décennies, à plus 6,7% à la fin de l'année, avec 500 000 chômeurs de moins. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un aux manettes, il y a quelqu'un aux commandes. Donc, et il y a quelqu'un, vous savez, je suis maire frontalier de l'Italie. Oui, vous voyez que les restaurants sont fermés de l'autre côté. Quoi. On voit de l'autre côté tous les rideaux qui ont fermé, ouais. Avec les clés qui ont été mises sous la porte et les dépôts de bilan, alors que chez nous, l'économie tourne à plein, que nous faisons... Il y a des commerces qui ont fermé. Hein. Si vous baladez dans les rues de Paris, il y a quand même pas mal de rideaux baissés. Mais enfin, c'est un autre sujet. En tout cas, sur mon territoire, où il y a un vrai partenariat entre l'État qui a investi près de 240 milliards d'euros pour soutenir l'économie et la collectivité qui, elle aussi, a complété l'effort de l'État, il se trouve que l'économie tourne bien. Vous soutenez, c'est une bonne nouvelle. Donc Emmanuel Macron pour sa réélection, pour cette présidentielle. Et en décembre, vous avez rejoint Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Ce matin, dans le Figaro, on apprend que 61% des Français considèrent qu'Édouard Philippe ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites partie des 61%? Eh bien, il se trouve qu'Édouard Philippe et moi-même considérons que le meilleur candidat pour la présidence de la République est Emmanuel Macron. Ah oui, voilà. Donc vous êtes dans la catégorie de ne répond pas à la question. Ou alors non, il est moins bon, Édouard Philippe. Je suis dans la catégorie de ceux qui considèrent, avec Édouard Philippe, avec bien d'autres élus de notre pays, responsables publics et politiques, qu'aujourd'hui, à ce rendez-vous précis, celui qui a géré des crises comme nous n'avions pas connu, Édouard Philippe était aux commandes aussi, à Matignon. Depuis la crise industrielle de 2008-2010 par le président Nicolas Sarkozy, a su tenir les manettes, a repositionné la France sur la scène internationale. Mais des avec sondages France comme ça, 2030, ça fait rêver, Christian Estrosi. Non, mais c'est vrai. Mais 61% des Français pensent qu'il serait meilleur président de la République, Emmanuel Macron. En tout cas, qu'Édouard Philippe... et vous avoir sans doute, un avenir. Je n'en doute pas, c'est un d'avenir, c'est un ça, grand c'est destin politique. Et qu'aujourd'hui, c'est nous un peu sommes, trop tôt. Édouard Philippe et moi et bien d'autres, issus de plusieurs courants de pensée. C'est la force du dépassement politique, celui qui peut protéger le mieux notre pays et apporter par les réformes dont nous avons besoin au plan structurel. Emmanuel Macron est celui qui répondra le mieux à cette attente, me semble-t-il. Vous restez avec nous, Christian Estrosi, jusqu'à 19h50. On aura l'occasion de commenter d'autres sujets d'actualité. Mais d'abord, celui-là, lundi prochain, s'ouvre le procès de Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre de Maëlys Desarrojos, un peu plus de 4 ans après les faits. Oui, Maëlys a 8 ans et demi quand elle disparaît dans la nuit du 26 au 27 août 2017, quelques jours avant la rentrée des classes. La petite fille se serait comme volatilisée de la fête de mariage à laquelle elle assistait avec ses parents, sa sœur et d'autres membres de sa famille à Pont de Beauvoisin, en Isère. En Isère, malgré l'appel à témoins lancé il y a maintenant 24 heures, la petite Maëlys, 9 ans, n'a toujours pas été retrouvée. La petite fille et ses parents assistaient à un mariage dans cette salle polyvalente samedi. C'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois, vers 3 heures du matin. Les 200 invités du mariage et les voisins ont été interrogés. 200 invités dans la zone, donc aucune piste n'est écartée. Des marches blanches sont organisées, des battues également pour tenter de la retrouver car l'enquête patine. Mais le 4 septembre, soit 8 jours après la disparition de la petite fille, des traces ADN de Maëlys sont retrouvées dans la voiture d'un homme qui était présent au mariage. Son nom sera révélé quelques jours plus tard. Nordal Lelandais, 34 ans. S'il admet avoir été en contact avec la petite fille lors de cette soirée de mariage, il clame son innocence. Une trace d'ADN de l'enfant a été retrouvée sur le tableau de bord de la voiture. Explication du suspect, les fenêtres étaient restées ouvertes toute la soirée. La petite fille a peut-être passé sa main en jouant. Justification poussive du jeune homme de 34 ans qui continue pourtant de clamer son innocence. Et de garder le silence, c'est un silence qui semble imperturbable, un calvaire pour les parents de la petite fille, calvaire qui va durer. Ce n'est que le 14 février 2018, soit 6 mois après la disparition de Maëlys, que Nordal Lelandais reconnaît l'avoir tuée par accident. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations. Dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert
les restes de l'enfant. Voilà la situation ce soir. Nous savons donc que Maëlys est morte, qu'elle a été tuée par Nordal Lelandais de façon involontaire, qu'il a dissimulé son corps, qu'il l'a emporté et... Bonsoir Jennifer Darrojo. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de ce récit dans lequel vous évoquez 4 années de douleur mais aussi de combat pour connaître la vérité, pour savoir ce qui est arrivé à votre fille Maëlys. C'est ce que vous attendez du procès qui démarre lundi, d'obtenir des réponses? Bonsoir, oui, j'attends d'obtenir des réponses sur ce qui s'est vraiment passé parce que depuis le début, il nous a donné plusieurs versions. De comment il a assassiné ma fille. Et j'attends de savoir qu'ils disent enfin la vérité. Et surtout, j'attends, c'est une longue... qu'il reste le plus longtemps possible en prison. Une lourde peine, une lourde vous peine, espérez, oui, à la hauteur des souffrances que ma fille a endurées. Vous pensez qu'il n'a pas tout dit, pas toute la vérité, quand il explique notamment que Maëlys l'a suivi de son plein gré dans la voiture pour aller voir ses chiens. C'est une version qui vous paraît totalement... improbable, impossible. Bah pour moi, c'est impossible parce que déjà, je l'avais toujours prévenu qu'il fallait jamais partir avec quelqu'un qu'elle connaissait pas. Cet individu, elle le connaissait pas. Et en pleine nuit, à 3 h du matin, elle sait qu'on va pas dans une voiture. Puis on avait une bonne communication avec elle et elle me disait toujours où c'est qu'elle allait, ce qu'elle faisait, ce qui allait pas. Donc, je suis persuadée qu'elle n'est pas montée d'elle-même dans sa voiture. Le risque, c'est de voir l'accusé changer une nouvelle fois de version, ce qu'il a fait plusieurs fois, vous venez de le dire au cours de l'enquête, une attitude qui a évidemment décuplé votre souffrance. Même mis en examen, après la découverte dans son véhicule d'une trace ADN appartenant à Maëlys, il gardait le silence. Et c'est alors à lui que vous vous êtes adressé. Au vu des dernières révélations du dossier, et aussi de son attitude étrange lors du mariage, qui nous a interpellés, nous lui demandons de révéler ce qu'il sait. Son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille. Ce jour-là, vous saviez que Nordal Lelandais vous écoutait. Vous avez pesé chaque mot. Vous avez été ferme et douce à la fois parce que vous ne vouliez surtout pas le braquer. Oui, c'est ça, oui, exactement. Je voulais être un peu protectrice. Je voulais pas qu'il soit... qu'il se sente attaqué. Puis je voulais qu'il lâche ce qu'il avait sur le cœur et puis qu'il dise vraiment ce qu'il a fait. Qu'il se libère. Qu'il se libère, voilà. Non pas qu'il avoue, mais qu'il se libère. Qu'il se libère, oui. Vous espériez surtout qu'on pourrait encore retrouver Maëlys, disparue depuis un mois. Oui. Mais vous aviez, depuis la nuit de sa disparition, l'intime conviction que cet homme était impliqué dans la disparition de cette fille. Cet homme au t-shirt bleu, la trentaine passée, assez grande corpulence, avec une barbe de 3 jours, qui était présent au mariage, avec lequel, devant l'insistance de votre fille, vous avez dialogué. Il voulait montrer les photos de ses chiens à Maëlys, et vous avez accompagné, Maëlys auprès de lui. C'est Maëlys qui m'a demandé si je pouvais aller voir les chiens de son copain. J'ai trouvé ça étrange qu'il y ait des chiens à un mariage. Donc je me suis dit, tu ne vas pas voir des chiens, c'est dangereux, tu ne le connais pas. Elle me dit non, c'est pas, ils sont pas là et c'est sur son téléphone portable. Donc elle avait certainement dû les voir déjà auparavant, les photos, mais ça je ne l'ai pas vu avant. Donc je l'ai accompagné auprès de lui, à la table des mariés. Oui. Et puis il a montré les photos de ses deux chiens sur son téléphone. Après, à moi, il ne m'a pas parlé. Il a parlé à Maëlys, il a demandé ce qu'elle avait comme race de chien, si elle avait des animaux. Elle lui a répondu, puis après elle est partie, puis moi aussi on est retourné. Sur le moment, vous ne sentez pas le danger. Qui aurait pu sentir le danger? Vous vous interrogez de façon terrible. Dans mon livre, oui, c'est vrai, j'en parle beaucoup. Vous ne sentez pas le danger, mais c'est lui que vous recherchez tout de suite, une fois Maëlys introuvable. Oui, parce que c'est la dernière personne à qui elle a parlé, qu'elle ne connaissait pas plus que ça. Et je me suis dit, peut-être qu'elle est encore avec lui en train de discuter ou jouer au foot, ou je ne sais pas. Et puis, je la cherche de partout avec lui et... Je cherche le t-shirt bleu parce que je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a les chiens. D'ailleurs, et vous l'appelez tout le temps l'autre, le t-shirt bleu. L'autre et le t-shirt bleu, voilà. Voilà. Il mérite que ça comme nom. Et du coup, je le vois 30 minutes après que j'ai cherché Maëlys de partout, qui revient du parking et qui me dit qu'il ne l'a pas vu. J'ai été
Il me dit non, je ne l'ai pas vu. Puis il a l'air comme si ça ne le touchait pas, comme s'il était blasé. Ouais. Mmh. Pas concerné. Sans âme, pas concerné par tout ça. Voilà. Vous l'appelez donc l'autre, le t-shirt bleu, trop difficile de nommer, insupportable aussi de le voir apparaître sur les écrans des chaînes d'information, oui. De voir son portrait accolé à celui de Maëlys. Oui. Nordal Lelandais, qui n'était qu'à quelques mètres de vous lors de la reconstitution organisée pour l'inciter à parler, oui. À quelques mètres de nous, écrivez-vous, parvenez-vous à imaginer ? Vous, vous étiez debout, immobile, oui. Condamné à attendre sagement, sans autre droit que celui de garder le silence. Pourtant, ce jour-là, alors que les enquêteurs lui demandaient de reproduire les gestes, oui. Qu'il dit avoir eu, ce silence, il vous a été impossible de le conserver, de le garder. Non, non, à la fin de la reconstitution, quand il a montré l'endroit où il avait laissé ma fille pendant plus de 6 mois, toute seule dans la forêt, abandonnée comme un déchet, je lui ai dit qu'il avait abandonné ma fille comme un déchet dans la nature. Et que c'était qu'un monstre et un pédophile. Voilà, je lui ai dit. Qu'il n'avait pas d'âme et qu'il méritait de pourrir en prison. Ce jour-là, il n'a pas baissé les yeux, Nordal Lelandais. Ah, il a affronté votre regard. Oui, oui. Oui, oui. Il n'a rien dit et puis il est reparti dans sa prison. Vous redoutez d'affronter de nouveau ce regard-là lundi dans la salle d'audience ? Non. Non, il ne me fait pas peur. Non, non. Je suis prête. Je vais me battre pour ma fille. Je veux que justice lui soit rendue et non, ça ne m'effraie pas, ça. Vous voulez être forte pas. Oui, je vais pour être forte Maëlys. Pour elle. Maëlys, elle était forte, c'était ma petite guerrière, comme je l'appelais. Et je vais être forte pour elle, oui. Vous je me battrai pour elle. Vous pensez qu'il va... Vous espérez qu'il parle, qu'il... J'espère qu'il va parler, mais après, il va dire sa vérité. Est-ce que ça va être vraiment ce qui s'est passé ? Il n'y a que lui qui sait, malheureusement. Maëlys, dont vous rêvez régulièrement, à laquelle vous continuez de demander pardon, oui. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Oui, oui, parce que je n'ai pas, tenu ma promesse que je lui avais faite. Ce que je dis à la fin dans ma lettre, que je lui avais dit que je la protégerais des méchants. Et je n'ai pas réussi à tenir ma promesse. Alors c'est pour ça que je lui demande pardon. Puis pardon de ne pas l'avoir surveillée, peut-être assez. Comme je dis dans le livre, je suis mon pire bourreau. Beaucoup m'ont reproché ça. Au début, ils me disaient que je n'avais pas surveillé ma fille, que j'étais une mère indigne. Et qu'on surveille ses enfants, enfin voilà. Et donc moi, ça m'a beaucoup touchée, et j'y pense chaque jour, chaque instant. Et c'est pour ça que je lui ai demandé pardon plusieurs reprises à ma fille. C'est aussi la raison pour laquelle vous écrivez ce livre avant le début du procès, pour dire vos mots. Avant que les mots d'autres, d'avocats, de témoins, d'experts se suivent et se succèdent à la barre, vous vouliez dire vos mots. Ben, je voulais que Maëlys, elle existe surtout. Parce qu'on met toujours l'autre, son assassin, en avant. Et Maëlys, c'est toujours. Les victimes sont toujours mises de côté. Donc je voulais que Maëlys, elle existe, qu'elle laisse une trace dans cette vie, qu'elle avait le droit d'exister. Et que c'était une petite fille qui était pleine de vie, pleine de joie, qui avait toute la vie devant elle. J'en suis sûre que ça aurait été une grande dame, cette jeune demoiselle. Et donc voilà, je fais un livre pour elle, pour qu'elle continue à exister à travers le temps. Voilà. Elle était tout ce dont le monde aurait davantage besoin et tout ce qu'il manque souvent à la société des hommes d'aujourd'hui. Tout à fait. Votre vie aujourd'hui, votre vie quotidienne, c'est une vie dans laquelle vous avez quitté votre... emploi d'avant, ça n'était plus possible de retourner travailler dans le métier d'infirmière à l'hôpital, oui. J'ai toujours le même métier, je suis infirmière, mais je travaille en libéral maintenant. Et j'aime beaucoup le contact avec les gens à domicile chez eux. Je trouve que... Et puis je suis beaucoup moins confrontée à la mort aussi, parce qu'à l'hôpital, j'avais l'impression qu'il y avait toujours la mort autour de moi. Je me sentais... J'avais l'impression que d'attirer la mort... c'est pour ça que j'ai décidé de retourner à domicile et de voir les petits papis, les petites mamies qui m'accueillent chaque jour avec le sourire, ça me donne du réconfort. Voilà. J'ai fait un bisou à ma fille et elle repart jouer. Nous sommes le 27 août 2017, il est 2h du matin, c'est la dernière fois que je verrai Maëlys. Si seulement on pouvait sentir à l'avance l'importance que prendront certains moments. Voilà un extrait de ce récit. Oui. Maëlys, que vous avez rédigé avec l'aide de la journaliste Stéphane Piogé. Merci beaucoup, merci Jennifer Darrojo, d'être venue ce soir sur le plateau
de cet aveu. Merci de votre présence. Merci. Merci. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu. On commence par un livre qui paraît demain, mais qui fait déjà beaucoup de bruit. Oui, une enquête au cœur du groupe leader mondial des EHPAD, Les Fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés chez Fayard. Près de 400 pages d'enquête et de révélations, le manque de moyens et de personnel qui débouche sur la maltraitance des résidents. On ne peut plus discuter avec les gens, prendre le temps. On a l'impression de devoir faire les choses spontanément et prendre cette personne, la mettre à cet endroit-là, la doucher, la faire manger. Ne plus lui demander son avis, comme si elle n'était plus de ce monde déjà. Des patients qui restent alités toute la journée au lit parce qu'on n'a pas de personnel pour les faire descendre en salle à manger. Des patients qui ne déjeunent pas parce qu'on n'a pas eu le personnel suffisant pour leur monter le déjeuner. Des patients qu'on n'hydrate pas parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. Vous verrez aucune soignante qui va aller voir une famille et va lui dire « Voilà, votre mère est tombée parce qu'en fait, on n'avait pas assez d'infirmières ou d'aides-soignantes. » Jamais on n'aura ça. Mais la réalité, c'est ça, en fait. Le livre, l'enquête débute à l'EHPAD Les Bords de Seine, installé dans la banlieue cossue de Neuilly-sur-Seine, des frais de 7 à 15 000 euros par mois. Et pourtant, les détails sont écœurants, on va y venir. Laurent Garcia est cadre infirmier en EHPAD. C'est un ancien de cette maison de retraite de Neuilly-sur-Seine. Il y a passé 8 mois à partir de 2016. Louis Amar et Camille Schmitt l'ont rencontré aujourd'hui. Aller s'occuper des résidents, les lever, les aider à manger pour certains. Et une soignante pour 33, vous comprenez bien que ce n'était pas possible. De voir un résident qui n'a pas déjeuné le matin parce qu'on lui a mis son plateau et qu'on n'a pas eu le temps de l'aider à manger, pour moi, c'est très grave. Le 25 du mois, plus de protection. Certaines familles en achetaient, sinon on gérait avec des serviettes de bain. Enfin, ça, c'est du réel, c'est une réelle violence. Et moi, je l'ai vécu 8 mois en espérant vraiment qu'à un moment... j'arrive à faire quelque chose. Et une anecdote, le directeur avec qui je m'entendais très bien, qui m'a embauché, au mois d'août m'a convoqué et m'a dit « Laurent, je pars. Il ne faut pas que tu restes, on n'arrivera à rien. » Il avait raison. Bonsoir Victor Castanet, journaliste Bonsoir. Indépendant, auteur des Fossoyeurs chez Fayard. 3 ans d'enquête, plus de 250 témoignages, une enquête sans concession dans les EHPAD Orpea. Ce sont des personnels d'EHPAD qui vous ont alerté? Oui, mon enquête, elle prend point de départ il y a 3 ans, quand effectivement du personnel soignant des Bords de Seine, cet établissement luxueux de Neuilly, m'alerte sur un certain nombre de dysfonctionnements au sein de cet établissement, à la fois au niveau du personnel, des carences en personnel, et au niveau des produits de santé, des rationnements des produits de santé, notamment des protections, également des rationnements au niveau de l'alimentation. C'est ce qui te choque de prime abord. Quand vous dites protection, vous parlez des couches qu'on utilise pour ces résidents d'EHPAD. Ils sont rationnés sur absolument tout ce qui est consommable. Effectivement, dans cet établissement, c'est la vitrine du groupe Orpea. C'est l'un des établissements les plus luxueux et les plus chers de France. Les tarifs commencent à 6 500 euros par mois et montent jusqu'à 12 000 euros. Et même dans cet établissement excessivement luxueux, le personnel se plaignait de ces rationnements sur les protections et sur un certain nombre de produits de santé. Il y a aussi un cas sur lequel vous revenez longuement, c'est l'écrivaine Françoise Dorin, décédée dans cet EHPAD, les Bords de Seine, 3 mois après y être entrée. Vous racontez... la dégénérescence du Nescar chez elle, je n'entre pas dans le détail, vous le faites. Le manque de matériel spécifique, le fait qu'elle ne voit un médecin que tardivement et la famille peut ou pas informer. C'est un oubli, c'est une négligence ou est-ce que c'est carrément de la dissimulation? Ce qui est sûr, c'est que cette famille, elle n'a pas eu les informations à temps. Il a fallu attendre 10 jours avant qu'elle soit alertée de cette situation. Et malheureusement, c'est une situation de maltraitance, un drame parmi beaucoup d'autres. J'ai eu plusieurs familles de cet établissement qui ont témoigné de cas de maltraitance, dont plusieurs témoignent en leur nom. Et malheureusement, je suis allé voir ensuite d'autres établissements partout en France. Je suis allé dans le sud de la France, à Aix, à Marseille. Je suis allé en Bretagne, à Brest. Je suis allé en Normandie, je suis allé dans l'Aisne. Et à chaque fois... j'ai rencontré des familles, des membres du personnel qui m'ont raconté les mêmes dysfonctionnements.
Mais on ne prévient pas systématiquement la famille, en l'occurrence, dans ce cas-là, quand il y a un souci de santé sur le résident ou la résidente. Là, clairement, il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'information qui a été transmise aux familles et aux médecins traitants bien trop tard. Mais c'est aussi le résultat d'un certain nombre de dérives de l'établissement. Alors, ce que vous dénoncez, ce ne sont pas simplement les moyens de ces établissements, c'est l'organisation de cette pénurie, du manque de personnel, une politique de réduction des coûts. Vous parlez de systèmes qui maltraitent nos aînés. Tout le sens de cette enquête, c'est de raconter qu'on parle souvent de maltraitance, d'actes isolés. Mais là, ce qui se passe, c'est que le personnel soignant se retrouve obligé d'être maltraitant parce qu'il fait face à un système qui produit ces dysfonctionnements. Ce que je raconte, grâce aux témoignages de très nombreux soignants, mais aussi ensuite, j'ai dû remonter plus haut dans l'échelle décisionnelle, rencontrer des directeurs régionaux et des gens du siège, de tous les services achats, les services RH, qui m'ont raconté méthodiquement justement le système mis en place par les dirigeants de ce groupe, qui est d'abord un système de réduction des coûts extrêmement violent. On vous a proposé de l'argent pour arrêter d'enquêter ? J'ai subi pendant cette enquête un certain nombre de pressions pour éviter d'aller au bout de cette investigation. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête qu'un intermédiaire me propose une importante somme d'argent pour me dissuader d'aller au bout. C'était 15 millions. 15 millions d'euros. Alors, 15 millions d'euros. Après la publication d'extraits de votre enquête, le groupe dévissait hier à la bourse, le groupe Orpea, -16%. La cotation a été suspendue. Le directeur général d'Orpea France vous a répondu ce soir à la télévision. Il dément. On l'écoute. Nous sommes choqués. Cela ne correspond pas à nos valeurs. Cela ne correspond pas à notre engagement. Cela fait 30 ans que nous travaillons dans ce secteur. Il y a des accusations. Nous ne prétendons pas être parfaits. Nous ne prétendons pas ne jamais nous tromper. Ce que nous prétendons, c'est d'être très éloignés de ce qu'on veut nous faire porter en termes d'image, en termes de volonté. Victor Castanet, après cette enquête de 3 ans, ce qui fait peut-être la différence avec d'autres témoignages, c'est que vous avez des choses matérielles à leur opposer, vous avez des preuves ? Déjà, j'ai effectivement 250 personnes qui ont participé, des familles, des membres du personnel soignant et des gens à tous les niveaux décisionnels. Et je vous dis, dans tous les services, c'est-à-dire des gens du service achat qui m'ont donné des documents, effectivement, des gens du service RH qui m'ont donné des documents et des enregistrements. Et donc, effectivement, toute cette enquête, elle est documentée. Et c'est ce qui lui donne toute sa force. Et elle a été documentée grâce à qui ? Grâce au courage de lanceurs d'alerte, moi, c'est comme ça que je les nomme, de gens... Certains parlent en leur nom. Hein, dans le... C'est des gens qui, effectivement, parce qu'ils étaient à des postes élevés, ont participé pendant un temps à ce système et ont décidé de le dénoncer. Et effectivement, pour pouvoir aller aussi loin face à un groupe de cette importance, il fallait qu'ils assument leurs propos en leur nom et qu'ils puissent l'assumer en justice le cas échéant. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le sujet. J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées. Nous le devons, notamment aux familles et aux résidents et aux soignants. Et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de diligenter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe pour vérifier quelles sont les procédures en vigueur et quelles sont les conditions avec lesquelles ils prennent en charge. Et le débat prend une tournure politique dans le livre. Vous accusez clairement un des prédécesseurs d'Olivier Véran, Xavier Bertrand, d'avoir permis le développement de ce groupe, de l'avoir aidé. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Xavier Bertrand ? Alors, je n'accuse pas Xavier Bertrand. Je rapporte un certain nombre de témoignages qui, effectivement, c'est sur un sujet très précis, qui est celui des autorisations. En France, contrairement à d'autres pays européens, vous ne pouvez pas ouvrir un établissement de santé, un EHPAD, sans obtenir un agrément de la part des conseils départementaux et des agences régionales de santé. Et ce que me rapportent des témoignages, encore une fois, de personnes qui témoignent en leur nom et qui étaient à des très hauts niveaux de ce groupe, qui étaient des cadres dirigeants, ils me racontent que pour obtenir ces autorisations, il fallait nouer un certain nombre de relations, à la fois avec des hauts fonctionnaires, des agences régionales de santé, et des hommes politiques. C'était un des systèmes qui permettait d'obtenir des autorisations. Et c'est dans ce sujet-là, très précis des autorisations, qu'un témoin direct, qui parle en son nom, me rapporte effectivement que le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, a pu aider le groupe Orpea à obtenir des autorisations au moment où il y avait des blocages. Nous avons contacté Xavier Bertrand qui se réserve un droit de réponse. Alors politiquement, c'est évidemment un enjeu. Christian Estrosi, j'ai des souvenirs du...
du mandat de Nicolas Sarkozy. On nous a promis une cinquième branche, François Hollande aussi, Emmanuel Macron, en tout cas des financements pérennes pour la dépendance, le système des EHPAD. C'est une question qui doit se poser, là, sur la présidentielle. Elle doit être au cœur du débat. Je crois qu'en 30 ans, l'espérance de vie a presque doublé. Ce qui veut dire que vis-à-vis de nos aînés, nous avons de plus en plus, collectivement, la société tout entière, de plus en plus de responsabilités pour que la prise en charge de l'autonomie, de la dépendance, apporte avec l'humanité, avec le cœur, avec la générosité nécessaire, les réponses et avec la sécurité pour les familles. Et naturellement, j'imagine qu'avec des témoignages aussi effroyables, la justice va se prononcer, qu'il y ait des instances intransigeantes. Moi, je propose par exemple qu'il y ait territorialement des commissions totalement indépendantes qui puissent, sans prévenir, faire des descentes dans tous les EHPAD, qu'ils soient publics ou privés. Mais à votre niveau, vous pouvez aussi avoir un regard, d'autant plus que ces établissements sont subventionnés. Par de l'argent public. À mon niveau, je suis maire d'une grande ville, j'ai la, donc en vous charge... Vous avez présidé le département. J'ai présidé le département et nous savons que la procédure qui a été rappelée, à savoir qu'il faut un agrément à la fois de l'Agence régionale de santé et du conseil départemental pour pouvoir ouvrir un EHPAD, fait qu'il faut remplir un certain nombre de conditions. Et qu'il faut qu'il y ait des contrôles permanents des situations comme celle-là, si elles passent à travers, il y a quelque chose qui me surprend et qui doit être expliqué par les instances qui auront à mener les investigations nécessaires. C'est insupportable de savoir que nos aînés, dont nous avons tous la responsabilité, et surtout, il y a à la fois la dépendance, il y a ceux qui sont accompagnés par une famille, permettez-moi de le dire. Oui, les aidants. Et il y a les aidants. Oui. Les aidants, c'est une chose. Les familles, ceux qui ont la chance d'avoir une famille et qui sont accompagnés financièrement pour pouvoir rentrer dans un établissement et dont la famille doit avoir l'assurance absolue qu'ils seront bien traités. Mais sauf qu'il y a un business cynique du grand âge, justement. Vous avez, permettez-moi de le dire, c'est mon dernier mot, aussi ceux qui sont dans la grande solitude, qui finissent leur vie sans avoir d'enfants, sans avoir de parents ou de proches qui les accompagnent et où la collectivité a un rôle à jouer pour leur apporter une fin de vie dans la plus grande dignité. Donc, ce qui n'est pas le cas. Tous ces sujets nécessitent que ce soit au cœur de nos débats. Par exemple, aujourd'hui, en matière de start-up, nous avons des start-up qui sont spécialisées dans la silver economy, qui peut créer aussi beaucoup d'emplois, accompagner la dépendance, l'autonomie, dans de bien meilleures conditions. Oui. Et donc, c'est de notre devoir de mettre le paquet là-dessus. Victor Castanet, le vrai scandale, vous disiez. L'un des sujets mis en avant dans ce livre, c'est le sentiment d'impunité dans ce groupe. Et il tenait à quoi ? À la défaillance du système de santé français. C'est-à-dire que là encore, j'ai des cadres dirigeants qui témoignent en leur nom, qui me rapportent la supériorité du privé sur le public. C'est-à-dire... Aujourd'hui, il y a des contrôles, mais ces contrôles, ils sont très rares et ils sont surtout défaillants. C'est-à-dire que le groupe est prévenu à l'avance, parfois 3 semaines, 1 mois avant le contrôle. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des mesures de correction qui étaient mises en place avant le contrôle. Il y avait des mesures de nettoyage sur les postes qui n'avaient pas été budgétés, etc. C'est pour ça que je propose des commissions de contrôle qui fassent des descentes sans prévenir. Et ça, c'est possible. Bien sûr. Il faudrait non seulement, effectivement, des contrôles inopinés, mais aussi, et c'est ce que demandent beaucoup de sources qui participent à ce livre, il faudrait peut-être un observatoire indépendant, une autorité indépendante qui puisse contrôler ces établissements. Les fossoyeurs, 3 ans d'enquête pour ce livre choc qui, on l'a vu, crée énormément de réactions. Les fossoyeurs, c'est signé Victor Castanet et c'est chez Fayard. Ça paraît demain. Exactement. Si je ne me trompe. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On part aux États-Unis où Joe Biden se lâche. Oui, alors peut-être pensait-il que son micro était éteint. Peut-être a-t-il aussi du mal à contenir une forme d'agacement ou de nervosité. Quoi qu'il en soit, le président des États-Unis participait à une table ronde à la Maison-Blanche et à la fin de celle-ci, un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News l'interpelle sur l'inflation. It's a great asset. More inflation.
What a stupid son of a bitch. Alors, vous avez bien entendu, en anglais, ou alors lu les sous-titres. L'avantage, c'est que ça m'évite de dire des gros mots à l'antenne. Oui, oui, oui. L'injure faite à la maman de ce journaliste figure bien dans la transcription officielle de la réunion envoyée par la Maison-Blanche. Joe Biden a ensuite appelé le journaliste en question pour lui dire, je cite, qu'il n'y avait rien de personnel. Ce même journaliste de Fox News qui participait au débriefing sur sa chaîne. Il est venu à moi dans le briefing room a few minutes later and said, did you hear what the president said? And I said, no, what? They said, he called you a stupid SOB. And I said, did he say SOB? And the person said, no. You are a stupid SOB. Yeah, nobody has fact-checked him yet and said it's not true. Everyone's talking about you. You're going to be known as the stupid SOB guy. I mean, before you were like the hair guy with the blonde hair. Now you're stupid SOB. Is this something you're embracing, Peter? Do I have a choice? I mean, that's something that you're that will yep. be in the history books. Yeah, I think that if Peter... we still have them. Une attitude qui, oui, ils le prennent avec humour, en tout cas sur Fox News, une attitude qui surprend chez Joe Biden, le vocabulaire comme le fait d'insulter un journaliste, lui qui a toujours voulu se démarquer du style de son prédécesseur. Look, you know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. You are the enemy of the people. Go ahead. Not you. Can you give us a chance? Your organization. You are attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance? What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay? That's okay. I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Ouais, il y a encore du chemin pour rattraper. Oui, il y a encore un peu de marge, dirons-nous. L'INSEE publie des statistiques sur notre rapport au téléphone. Oui, mais vraiment très intéressante. 99% des Français ont le téléphone, 95% des plus de 15 ans ont un portable. L'Institut des statistiques nous explique que disposer d'un téléphone ne signifie pas répondre. 20% des Français filtrent systématiquement les appels. On ne répond que si on connaît le numéro, voire... ne répondent pas du tout, de quoi faire rager deux ou trois personnes parmi 2%, vous. 2%, j'en connais. De joindre quelqu'un. Moi, je réponds rarement aussi. Non, mais je suis avec vous, Babette. Audrey Payas et Mickaël Robert. Vous ne répondez pas au téléphone? Non. Non, jamais? Non, moi, il me répond. Je ne réponds pas quand Patrick... Patrick. Ça exaspère Patrick. Vous répondez tout le temps au téléphone? Mais bien, absolument pas. Ah, et si Emmanuel Macron vous appelle là tout de suite, vous ne décrochez pas? Je ne l'ai pas sur moi. En revanche, si Edouard Philippe vous appelle, là, vous décrochez. Pour vous. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'être venu ce soir. Merci. Sur le plateau de C'est à vous, avec cette mine qui vous vient de Isola 2000. Absolument. Station de Sunissoise. De Nice. Exactement. Merci d'être venu ce soir. Merci, merci beaucoup, Victor Castanet, Les Fossoyeurs, c'est chez Fayard. Dans un instant, une actrice réalisatrice heureuse, Sandrine Kiberlin, qui nous présente son premier film, Une jeune fille qui va bien. David Fonquino sera également notre invité du dîner. A tout de suite, on est en direct jusqu'à 20h55.